Vous allez assister maintenant à un combat dans la catégorie des moins de 81 kg dans les règles du K1 en 3 reprises de 3 minutes qui va opposer Cyril Benzaken face à Wendy Annolé. Allez, on va accueillir le premier kicker. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Cyril Benzaken. Écartez-vous! Allez-y! Et la sortie du vestiaire de l'élève d'André Zetoun, Cyril Benzaken, qui va ce soir s'exprimer dans des règles qu'il affectionne peut-être plus que celles du moins, celles du K1. C'est peut-être pas forcément le cas pour Wendy Annonay, hein, qui a un vrai Nagmoué, qui s'entraîne à la Team Chouk. Même si on retrouvera Wendy Annonay le mois prochain au Partouche Kickboxing Tour, 3e étape ailleurs, où il sera engagé chez les moins de 77 kg. Et là, évidemment, ce sera du K1 Rules. L'arrivée de Cyril Benzaken, accompagné d'André Zetoun, bien sûr. Il a beaucoup délégué aujourd'hui pour pouvoir se concentrer et se mettre dans son combat. Pas sûr. C'est pas sûr, ouais. C'est pour ça que je l'espère. Mais il est venu me rendre visite du côté de Rungis à l'entraînement. J'ai vu qu'il y avait encore de belles techniques chez Wendy Annonay malgré ses 2 ans d'inactivité. C'est ce qui peut faire la différence justement. Avec un Cyril Benzaken qui boxe lui assez régulièrement. Et comme on le dit souvent, la seule vérité c'est le ring. Hein. Vous pouvez passer des heures et des heures à l'entraînement. Si vous n'avez pas de ring, il y a un manque. Mesdames et messieurs, combat dans la catégorie des moins de 80 kg en K1. Dans le coin, White Gold. Il est âgé de 28 ans. Il mesure 1m83. 80 kg, 800 grammes à la pesée, 61 combats, 49 victoires, 2 nuls, 10 avant la limite, 2 fois champion de France en K1 et en Muay Thai, 1 fois champion du monde de Muay Thai, 3 fois champion du monde consécutif ISK en kick K1. Mesdames et messieurs, il nous vient de la Team Zetoun, on l'accueille comme il se doit, à Carpentier, c'est parti. Mesdames et messieurs, il a été médaillé de bronze au championnat du monde IFMA en 2008, champion de France en 2009, champion d'Europe d'une grande fédération WBC de 2012 à 2015. Mesdames et messieurs, c'est l'un des organisateurs de cette soirée. Ce soir, c'est son grand retour. Mesdames et messieurs, on est à 14 mois, Wendy Annonay. Et son dernier combat à Wendy Annonay remonte au 3 décembre 2016, c'était une défaite face à Marley Zannenberg. Et pour son retour, il ne choisit pas la facilité. D'abord boxer chez lui pour se mettre la pression face à un garçon champion du monde ISK de la discipline.
et de la catégorie, Cyril Benzaken. Et puis il en sera de même pour le tournoi par touche du 12 mai prochain ailleurs, puisque la troisième étape sera très très relevée. On aura des garçons comme Wendy, comme Maximo Suarez, notamment, et ça va vraiment être difficile de se qualifier pour Lyon. Le ticket de hier va coûter cher. Moi, j'ai un peu questionné Wendy sur ce retour. Pourquoi ? Tu m'as dit juste l'envie. Je me suis levé un jour et j'avais envie de revenir. J'avais envie de ressentir ces sensations. Allez, Wendy en gaucher. Et le dernier combat de Cyril Benzaken, c'était sur ce même ring. Arrêtez. C'était pour l'ACKB. Et fait match nul face à Daryl Sichman. L'autre côté. L'autre côté. Ok, c'est bon. Fight. Hey, Cyril, on connaît le style, hein, c'est à la touche et à la mobilité. C'est justement ce qui avait un peu mis en difficulté Cyril Benzaken, hein, c'était d'être un peu trop mobile, de ne pas accepter l'échange, avancer un petit peu sur l'adversaire, le mettre en difficulté. Alors c'est ce qu'il essaye déjà de faire, on le voit bien installé au centre du ring. Ouais, alors que le style là, de Wendy est plus planté dans le ring, plus nakmoué. Ouais, c'est Muay Thai, hein, chez Wendy Annonay, lui qui a participé en 2008 au championnat du monde amateur, est revenu avec la médaille de bronze. Et pour l'instant, il envoie bien la jambe arrière. Il faut toujours s'en méfier de la part d'un gaucher. Et qui a démarré la boxe assez tard, hein, c'est Wendy Annonay, à l'âge de 17 ans. Fight. Hop, hop. Hop, façon. Ok, première fois. Fight. S'il garde la vitesse et il impose le rythme, Cyril Benzaken, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Voilà, deux low kicks. Allez, le bras arrière pour Wendy Annonay. Allez, on y va, monsieur. Bon blocage de Benzaken. Plus affûté, hein, Benzaken. Ouais. Ouais, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, plus actif ces derniers temps. Fight. Fight. Il tourne du bon côté pour l'instant, Benzaken. Il marque ses points. On y va, monsieur. Attention à la saisie de Wendy, qui n'a pas été remarquée. Le genou direct. Un petit peu plus d'explosivité de la part de Wendy Annonay. Oh, attention. Il vient de souffler un petit peu. Allez, on y va, monsieur. Ça manque encore un petit peu de distance pour Wendy Annonay. Sur ce sur quoi il va falloir être vigilant concernant Wendy, ça va être la longévité, la résistance, l'endurance qu'il va pouvoir démontrer au cours des deux prochains rounds. C'est vrai qu'on l'a connu beaucoup plus affûté. On l'a connu moins affûté aussi, Kamel. Je ne sais pas si vous vous souvenez au Warriors Night face à Ekapop. Ah oui, il a subi un chaos. C'est super. Un peu plus de rythme et un peu plus dur. Mais c'est super. Voilà. Tu fais des super défenses. Oh, misère. Tu veux bien profiter de ces erreurs. Tu fais monter d'un niveau. Cyril, quand t'as bloqué, qu'est-ce que tu fais derrière? Voilà. Tout ce que t'as fait. Super. Tu me compousses. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Regarde le gaucher. Regarde ce qu'il t'offre, le gaucher. Regarde ce qu'il t'offre, le gaucher. Tac, tac. En bas, en haut. Parce que tu pars son genou, jambe arrière. Et le bras. Avant, t'as vu, quand tu l'oublies, c'est chiant.
il manque d'expérience d'André Zito dans le coin de Cyril Benzaken. On y va, frère. Bon, t'étais génial là. Je veux pas. André, il a arbitré mes premiers combats classés. Pour vous dire que ça remonte maintenant. Vous le rajeunissez pas. Hein. La bouteille, s'il vous plaît. Time, fight. Yeah. Deuxième reprise. Eh, c'est bien, le front kick pour stopper Wendy Annonay. Kick au bout de pied de Cyril Benzaken. Dernière fois, ok. Allez, fight. Et l'accélération de Wendy Annonay qui fait reculer maintenant Cyril Benzaken. Ouais, Wendy Annonay qui est sorti de sa réserve, il a passé un premier round un petit peu à attendre. Fight. Attendre certainement le contre. Allez, l'occasion ne s'est pas présentée. Dans ses travers, vous alliez dire, dans ses défauts. Ouais, c'est ça, repartir avec beaucoup de mobilité, 100 mètres de coup. Et il encaisse encore le milieu de la série. Il faut rester au contact d'un Wendy qui cherche à durcir le combat. Fight. Et la distance avec le bras avant. Et le kick demandé sur la jambe avant par André Zeto. Il ne les applique pas encore Cyril Benzaken. Et le kick middle fight. Enchaîné par Wendy Annonay. Allez, distribue un petit peu moins de coups là, Cyril Benzaken dans cette reprise. Bah, il aime pas le pressing, hein, c'est clair. Fight. Il en a pas eu du pressing sur le premier round, où Wendy l'a laissé quand même plus ou moins s'exprimer et travailler. Il était pas très bien sur ses appuis, là il a perdu l'équilibre sur ce middle. Allez, l'accélération encore avec le gauche de Cyril, de Wendy Annonay. En termes de prédateur et de proie, les rôles se sont totalement inversés. En l'espace d'un round. Et c'est là, ça manque d'échange en coup de pied là, des deux côtés. Ouais, il a touché avec ce gauche-droite en ligne. Et la réponse en anglaise de Cyril Benzaken. Et genou sauté. C'est passé à côté, dommage, il y a eu une belle tentative de Cyril Benzaken. Ce qu'on peut lui reprocher à Cyril Benzaken, c'est au moment où son adversaire l'attaque, de ne pas accepter, de ne pas justement fournir une remise tout de suite. Il laisse souvent passer les coups, il recule et ça fait que dans la tête des juges, ben, on le voit en difficulté. Mais c'est un point dont est conscient son professeur André Zetoun, Kamel. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut changer? Oui, bien sûr, on peut durcir un peu la boxe, accepter l'échange, essayer de trouver, de mieux travailler les esquives, et de décaler sur les côtés, mais ne pas reculer. Alors, vous pouvez bouger sur les côtés, mais pas reculer face à un adversaire. À un moment, il faut accepter, accepter l'épreuve de force. La jambe derrière. C'est ce qui fait défaut à Cyril Benzaken, sinon c'est un combattant très complet, on l'a vu faire de très belles choses sur le ring. Ou tu gardes le rythme ou tu montes le rythme, mais tu baisses pas le rythme. On en parle tout le temps du rythme à la salle. Hein. Allez vas-y, protège-toi. C'est qui le boss? C'est qui le boss? C'est le patron. Mets-toi au milieu. C'est vrai qu'il va falloir un peu plus de rythme à Wendy Annonay pour retrouver justement cette vitesse d'exécution et ses liaisons. Vous avez parlé trop fort, Kamel. Vous avez réveillé Chimiz Alazov. Le voilà en train de commencer à étaler l'huile chauffante. Eh ben, dites pas que c'est moi. Là. Allez, troisième et dernière reprise. On a essayé
à l'interround précédent de regonfler au maximum mentalement, psychologiquement Cyril Benzaken. En face, on en a fait de même avec Djibriléo et Chouk. Coup de pied qui sont donnés avec un peu trop de distance. Il n'y a pas moyen de placer de la puissance, on arrive bout de pied. Hop, pas de Muay Thai, monsieur. Fight! Allez. Top, 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 hop. Fight. Allez, encore l'attaque de Wendy Anoné sur un Cyril Benzaken qui bouge beaucoup. Ouais, l'attaque avec la droite. Middle qui a rapidement suivi. Allez, il faut en faire un peu plus. Fight. Allez, va. Allez, allez, va. Évidemment qu'il a besoin de souffler, Wendy. On a un Cyril Benzaken un peu plus entreprenant dans cette fin de combat. Fight. Ouais, qui mise sur le débit, sur la quantité, même fight. Si elle est souvent accompagnée de qualité, mais il n'y a pas la puissance par contre, voilà. Non, parce qu'il n'y a pas l'engagement qui permettrait de rentrer avec le tibia sur les low kicks, pareil sur les middle. Je crois qu'il y a tout de suite le souci chez Cyril Benzaken quand il place son low kick de penser à la sortie. Fight. Après, il y a quand même des coups qui font mal. Hein. Il suffit de regarder la jambe avant. Il a bien percuté. Il a... Mais même en low kick, quand même, la jambe avant de Wendy Anoné. Ouais, la répétition des elle coups. Elle a pas gonflé toute seule. Ses nombreux low kicks à répétition qui ont bien ciblé la jambe droite de Wendy Anoné. Fight. Allez, 30 dernières secondes de ce combat. Même pas, Kamel, 15. Ah, j'en voulais un petit peu plus, moi. Hey, allez. Yeah, bravo, bravo combat. Faites des bruits pour les deux combattants, s'il vous plaît. Ouais, bravo aux deux. Ils se sont bien donnés. On avait dit les enjeux avant ce combat. Wendy revenait à la compétition et il s'est pas ménagé en se préparant à un gros programme pour les semaines à venir. Et puis Cyril Benzaken, lui, sortie après sortie, doit démontrer les progrès enregistrés auprès de son nouveau professeur, même si nouveau professeur, il l'est depuis un an maintenant. Ouais, avant que la mayonnaise ne prenne entre les deux, il va falloir plus un petit peu de temps, mais en tout cas, Cyril a la volonté, il a le courage pour répondre aux exigences d'André Zetoun. Allez, ticket au sol. Et on va attendre la décision et on recevra avec nous le vainqueur officiel. Que ce soit Cyril Benzaken ou Wendy Anoné, on a des choses à leur dire ou à leur demander. Gauche-droite. Aïe.
Allez, les deux hommes sont pour la décision. La décision. Match nul. Décision, match nul. Et alors, on fait comment, nous? C'est le deuxième pour Cyril Benzaken en un mois et demi dans cette même salle, Kamel.